Chacun de vous sera vu ici par sa base à un moment donné. Je suis en train de comptabiliser ceux qui ont déjà parlé. À la prochaine occasion, d'autres parleront. Mais ici, j'allais dire que le professeur Samuel Bemba... Oui, le professeur. Oui. Ah, il est doctorant. Ok, ça va. Je modifie. N'ayons pas les cultes de diplômes. N'ayons pas les cultes. Non, pasteur, je doute un peu. N'ayons pas les cultes de diplômes. La matière grise peut sortir d'un gradué, tout comme elle peut manquer chez un PhD. Ce n'est pas. Quand vous allez interviewer, vous allez dire d'abord, je suis professeur. Ensuite, j'interviens. Non. Laissez les gens se poser la question après votre intervention. Est-ce que cet homme intelligent ne serait pas professeur Harvard? Puisque nous avons connu des professeurs et professeurs. Nous avons été étudiants. Nous, quand le professeur Liaou donnait cours à la faculté de droit, la faculté de sciences économiques, nous transportions pour aller suivre le professeur Liaou. Quand Kengo Adondo, qui n'a pas le doctorat à thèse, donnait cours, les gens allaient suivre et il parlait sans papier. Quand Sambo Apidabangi, gouverneur de la Banque centrale, sans thèse, parlait, il regardait le plafond, il vous sortait la matière monétaire et il n'avait pas de concurrent que Chozambie et Mabi Moulumba. Donc le diplôme, c'est bon, mais connaître chaque jour, vous mettre à niveau, c'est mieux. Il faut lire, monsieur. Et donc, je disais que l'honorable, puisqu'il avait été élu, hein, Samuel, mais maintenant, excellence Samuel, ce que vous avez dit, ça me fait énormément plaisir. Et je compte sur vous pour que vous rapportiez fidèlement ce que vous avez vous-même répété aux membres du gouvernement. Puisqu'ici, à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse, pour qu'on calme quand même nos populations, que quelque chose est en train de se faire? Parfois, la gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Donc, dans votre prochain Conseil des ministres, il faut relever qu'à l'Assemblée nationale, qu'ils prennent note que l'Ituri avait fait une contribution pour la paix et la sécurité, le développement, qu'au niveau de l'Assemblée, les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui ils dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Et c'est une lettre a été écrite dans ce sens-là à l'autorité suprême. Que vous puissiez vous en approprier aussi au niveau du gouvernement. Vous aurez conseil des ministres vendredi. Aborder cette question de l'état de siège, s'il vous plaît, puisque vous risquez de nous mettre en difficulté par rapport à la prochaine prorogation. Vous ne connaissez pas les acrobaties que nous faisons ici pour parler avec les députés du Nord, du Sud, Kivu et de l'Ituri. Et donc, même les plus grands acrobates japonais ou chinois ou notre boxeur Bakole, qui est aussi champion quand même, il faut le souligner, même Nganou qui a fait la fierté de l'Afrique, à un moment donné, ils ont des limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Donc nous devons terminer en nous mettant d'accord tous. On ne rejette rien, on veut seulement savoir qu'est-ce que nous constatons, nous tous. Est-ce que nous avançons, nous reculons ou nous faisons du surplace? Est-ce que ça, c'est porter atteinte à la République? Donc, pour aider le pays, nous devons dire la vérité. Et la vérité, c'est celle-là. Hélas, si aujourd'hui on demande combien de mètres carrés on a récupéré,
parce que vous avez dit que le problème, ce n'est pas l'état de siège. Donc, avec ou sans état de siège, on aurait le même problème. Alors, le problème, c'est quoi? Il faut que nous sachions tous où se situe le problème pour qu'on puisse y apporter solution. On ne peut pas rester dans cette salle, continuer à regarder les gens mourir à Goma, à Ituri, et les gens se déplacer vers le Sud-Kivu, les gens se préparer dans les hauts plateaux avec les rebelles burundais pour faire du mal à nos populations. Puisque gouverner, c'est prévoir. Ça n'a pas encore bouillonné, ça ne s'est pas encore déclenché dans le Sud-Kivu. C'est le moment de prendre des positions pour que ça ne se déclenche pas là-bas. Kalembe, vous avez dit Kalembe, je crois que j'avais appris qu'on avait récupéré Kalembe, et donc ça ne suffit pas à récupérer, il fallait aussi pour chasser les assaillants, peut-être récupérer aussi une partie du territoire qu'ils occupent. Nous allons faire en sorte que, je l'ai dit aujourd'hui aux honorables députés, que le débat se passe ici, dans cet hémicycle, et non pas à la fin, devant l'esplanade, parler à la presse. Ça, nous disons non. Nous disons non aussi à la gestion du Parlement par les réseaux sociaux. Il faut faire attention, les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent sauver, tout comme ça peut tuer la République. Les débats ici, quand quelqu'un soulève une question, il y en a un autre qui va venir l'éclairer et la population sera éclairée. Les réseaux sociaux ne peuvent amener que polémique pendant que l'agresseur est sur le terrain. Mais moi, j'exhorte les Congolais, les députés, les Congolais qui habitent le Congo, et ceux qui sont au niveau de la diaspora, cette histoire des réseaux sociaux dirigée contre notre propre pays, ça, on peut aussi dire que c'est une sorte de trahison de la République. Est-ce que vous pensez que les autres pays-là n'ont pas de Twitter ou des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux? Moi, je n'ai pas vu les Rwandais qui attaquent les Rwandais, pourtant tout n'est pas rose là-bas. Je vois rarement les Camerounais attaquer les Cameroun. Ils savent à quel moment et dans quel cadre gérer leurs problèmes. Amener notre saleté, nos problèmes, chaque fois sur les réseaux sociaux, ça nous affaiblit. Un chiffre fait la une. 513 députés. Oh mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paix des députés, il y en a combien? Il y a 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. À moins que vous ne vouliez qu'il y ait seulement des présidents honoraires de la République et des chefs du gouvernement honoraires. Et ça, ce n'est pas sorti du ciel, c'est dans la loi. Et donc, c'est quelle loi encore Voilà, c'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. Alors, en ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié, c'est des montants modiques, mais ça m'aidait quand même à tenir les quelques jours. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. L'autorité de l'époque avait amputé mon mandat. Il me devait 2 ans et 7 mois qui sont partis en fumée. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prendre une autre attitude qui soit à la fois critique, mais constructive à la fois. C'est pourquoi, honorable député, j'ai compris que vous avez saisi, le président de la République a saisi la CPI, ce qui est une bonne chose. Vous-même, en tant qu'ancien de la CPI, vous avez été à la CPI, non? Pas comme prisonnier, mais comme, je crois, expert, comme expert, puisqu'il a sursauté. Non, vous avez été à la CPI vous-même, comme expert. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Je crois qu'à ce stade,
nous pouvons remercier encore une fois le vice-ministre de la Justice qui nous a présenté les deux projets et rencontré les questions que les députés se sont posées jusqu'à ce moment. Les rapporteurs n'ayant enregistré aucun amendement sur ces deux projets, puisqu'il n'y a pas d'amendement, la page 7, l'honorable député, l'honorable oui, je peux lire la page 7 pour voir s'il y a des articles compromettants. L'article 7, installation des services frontaliers. Les parties contractantes fournissent des installations adéquates et prennent des mesures appropriées pour assurer le dégagement rapide du trafic en transit dans le temps le plus court possible et à leur point de frontière indiqué respectif. Alinéa 2. Pour assurer un mouvement bon et expéditif du trafic en transit, les parties contractantes s'engagent à établir des postes frontalières intégrés au point indiqué de frontière avec les zones de contrôle communes, guichets uniques qui sont conçus, etc., etc. B. Veiller à ce que les ressources adéquates de main-d'œuvre soient rendues disponibles pour l'accomplissement et le dégagement prompt des formalités de frontières telles que l'immigration, la douane, la santé et des contrôles des échanges. C'est fournir des facilités d'entreposage et encourager le secteur privé à fournir de telles installations dans la zone de fret pour couvrir les exigences des clients. De coordonner des heures de travail au poste frontalier. Bon, il y a des fautes aussi dans l'affaire, il faut corriger, hein, adjacent. Ils ont traduit l'anglais en français, je crois, ou le portugais en français. Donc, il y a des fautes d'orthographe, mais la quintessence, vous l'avez saisie. Donc, cet article ne viole en rien notre souveraineté, ne trahit pas la nation, ni les convictions des honorables députés. On est en train de le multiplier, on va vous les donner. Et puisqu'il n'y a pas d'amendement, nous pouvons nous prononcer. Quant à, nous commençons avec, pardon, oui, je. Puisqu'il n'y a pas, d'abord après avoir suivi les ministres de la Justice, oui, ça j'avais déjà dit ça, M. Adamaro, j'avais déjà clos les débats. Maintenant, nous passons à la recevabilité de ces deux projets de loi. Une fois de plus, merci, Monsieur le vice-ministre. Honorables députés, chers collègues, par ces réponses, le débat général sur les deux projets de loi est clos. Nous pouvons nous prononcer quant à les recevabilités respectives l'un après l'autre. Nous commençons par le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation des transports en transit du corridor de l'Obito AFTTCL qui sont pour sa recevabilité. Veuillez manifester. Merci. Qui sont contre? Deux personnes. Qui s'abstiennent? Une personne,
Donc, au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence de facilitation des transports en transit du corridor de Lobito, AFTTCL. Nous en arrivons au projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Qui sont pour la recevabilité de ce projet de loi portant autorisation de prorogation? Manifestez-vous. Merci. Qui sont contre? Ils sont nombreux. Non, attendez, ceux qui sont présents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vous voulez? Qui sont contre? Nous demandons au protocole de compter. On va compter rangé par rangé. Mettez-vous debout, on va vous compter. Notez que certains députés sont à l'Ecofin. Hein. Il y a 120 députés à l'Ecofin. Allez compter maintenant ici au milieu. Comptez au milieu. Au milieu, comptez au milieu aussi. Maintenant, donnez le total, monsieur. Venez me donner tout. Asseyez-vous, on vous a déjà compté, asseyez-vous. Le total de ceux qui ont voté contre est de 48. Qui se sont abstenus? Qui s'abstiennent? Hein? Une personne s'est abstenue. Deux se sont abstenus. Donc au regard des résultats du vote, la loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est jugée recevable. Nous passons directement au vote, puisque nous avons vidé le fond avec vos interventions.